comprenez que crédit tout le temps on a avant tout prendre l'argent problème dans une barricade tout bagarre donc qui est le gros défi pour gagner pour quel est le défi mon défi pour le ministère lui-même qui veut fonctionner en genre que la obligé de changer dans l'esprit mon dieu obligé de changer aujourd'hui pour commencer pour fonctionner l'autre gros défi gain c'est l'économie globale pays donc que des bails pour changer là parce que pour moi il y a trop mon agriculture et trop mon agriculture bon pression sous terre petit terre bien petit ou pas capable augmenter productivité ou pas capable mécaniser parce que chaque monde monte clôture parce que l'obligé quimbé et j'ai accroché la petite bout de terre parce que l'autre bagage n'est pas un moyen pour la chanter pour le fond caille par exemple. Ça c'est un gros problème, il faut un plan de développement qui est élaboré côté que nous dit que si nous avons besoin de tel niveau de croissance pour l'économie, qui secteur car aller l'économie ça? Si c'est construction, si c'est industrie, si c'est sous-traitance, si c'est tourisme, si c'est agriculture, tout. Agriculture qui a un rôle pour la jouer. Mais pour continuer, il n'est pas capable de changer l'économie avec. Bon, c'est un bon tout autant que tout le monde dans le secteur agricole là. La plus difficile pour changer l'agriculture. Parce qu'on n'est pas moderniser, obligé dans la roue toujours, obligé dans la serpette toujours, obligé dans la manchette toujours. Tandis que dans l'autre pays, mon lieu que vous avez ici, tant que ici, vous avez dans la zone qui est moins que vous avez mis à côté, vous avez un carreau ou bien deux carreaux. Mais ça, vous avez vu de superficie que vous avez. Il a modernisé, il a tout à faire, il a tout à faire, il a utilisé un gré, il a mis des crédits, il a gagné tout le bagage. Nous faisons un calcul. Nous avons dans la Tibonite, si nous avons un bon hectare, nous avons moins qu'un carotte, avec un manguin là, qu'on a 2 tonnes à l'hectare, si fait 2 écoles, si fait 4 tonnes à l'hectare, là, fait profit comme pour année, $900. C'est-à-dire, ça fait $75 américains par mois. $75 américains par mois, il y a $600 ici. Disons, si bon, $600 ici, là, fait moitié salaire minimum qui est $1200 ici par mois. Maintenant, nous dit que si nous doublons la production, ça, sous même superficie, ça, nous avons fait 4, au lieu de faire 4 tonnes, on a fait 8 tonnes, là, on a fait $1200 par mois. On a fait 6000 gouttes par mois qui salaire minimum. C'est-à-dire qu'on est qui gagne moins qu'on carotte. Là, fait moins comme le monde qui travaille comme garçon ou bien qui travaille, qui balaye la rue. C'est-à-dire que ça montre que il y a des décisions pour prendre pour que le monde ait plus de pour qu'il travaille, pour qu'il fasse plus. Or, quand il y a un Tibonite, il y a un peu moins que des bicarotés. C'est-à-dire que le monde est pour le pauvre. C'est des choix, ça. Mais pour retirer le monde sur l'agriculture, il faut ouvrir l'autre côté pour voir, pour que le monde soit créé dans l'agriculture avec plus de terre. Ce sont des décisions politiques, des grosses décisions de politique économique. C'est sur ça qu'on a réfléchi pour regarder si on a fait du riz ou dans une zone, ces légumes l'ont fait. Est-ce qu'il y a vu de l'île? S'il n'y a pas vu de l'île, il faut avoir notre activité sur le côté qui permettre que le vivre parce que l'a oublié vivre. Sinon, les grands petits ne vont pas occuper eux, si on a vu pour le prêt, ça va venir la ville, la ville dans toute histoire parce qu'il faut qu'ils vivent. C'est un gros défi, ça, je pense que nous qui passe sur un problème pour le secteur agricole seulement. Nous-mêmes, comme nous, il y a des problèmes techniques, il faut qu'on travaille pour nous améliorer les productions, il faut qu'on gagne la technologie, il faut qu'on gagne assistance technique, recherche, il faut qu'on gagne vulgarisation, crédit agricole, irrigation goutte à goutte pour nous gagner, entrer dans la modernisation. Nous avons mis des certes, nous avons exporté ça, nous avons fait progressivement. Mais comme nous, le problème pour l'agriculture, c'est son morceau dans un problème qui est beaucoup plus gros. Parce que Haïti, pauvre, c'est pas l'agriculture, Haïti, pauvre seulement. C'est globalement payé à pauvre. Parce qu'il manque de richesse, il manque de mine, il manque de pétrole, il manque de bagages. Il faut créer une série de situations. Et pour permettre que la vie a changé. Mais l'autre problème, c'est dans quelle séquence on va changer. Parce que dans l'autre pays, ils ont commencé par l'agriculture, après ça, on vient développer l'industrie, agro-industrie, on vient développer l'industrie. Ils ont une séquence dans le temps. Ou faire une révolution agricole, après on fait la première révolution industrielle, deuxième révolution industrielle, quand on a une révolution télécommunication et information, qui ont une série de séquences. Tandis qu'on est obligé de faire tout en même temps en Haïti. Obligé de développer un modèle pour tout secteur développer en même temps. Pour permettre d'améliorer la vie en Haïti. Parce qu'il faut un coup. Je suis d'économie, je ne suis pas économiste, mais c'est pour ça que moi-même, je n'ai pas de problème.
en tant qu'autorité. Mm-hmm. Okay, après tout ça.